L'analyse de l'information. Tendance. Donner respect à tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour rubrique de ça. Tendance, c'est une rubrique côté nous brasser l'idée sur divers thèmes qui sont bien actualité. Aujourd'hui, nous allons faire l'autre émission pédagogique sur droit. Nous allons parler sur récusation. Qui ça, récusation en y est? Pour nous commenter thème ça, nous choisissons M. Stanley Gaston qui va commenter question ça avec nous, mais c'est après pause là. Oh bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comment? Ou toujours servir avec ta mère ça y est toujours? Alors, m'en goûte vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette criolito. Si c'est pour inventer avec l'autre tablette cap salé manger ou qu'on est déjà, Criolito a une qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qu'il fait un gros ingrédient naturel, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle a tout gagné. Et puis, en plus, il y a un bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moi seul. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon jambou pour le pays. Criolito. Dans votre machin, pas tout grossis, li au mandé. C'est les toutes cuisines, elle choisit pour faire manger. C'est les celles qui va faire manger. C'est coupé, l'ouette. Assa, danger, et d'eau. Go, Criolito! Criolito, c'est. Numéro 1! Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante, Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après Poznan, Jean Déanocelli. Invitez-nous, c'est Maître Stanley Gaston, le secrétaire barreau de Port-au-Prince. Avec lui, nous prenons le thème ça, récusation, qui ça le dit et comment un avocat capable fait une action en récusation, qui ça le dit, tout ça avec Maître Stanley Gaston. Bonsoir Maître Gaston, nous comptons recevoir dans la rubrique Tendance. Je salue Tamara Orion et je salue tous les téléspectateurs, téléspectatrices, télésignal, particulièrement fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, émission Tendance. Maître Gaston, qui ça récusation est? Bon, c'est une très très bonne question et je suis bien content que dans le début de l'émission, hein, on dit que nous allons faire une émission qui a un caractère assez pédagogique. Donc, récusation qui s'allie. Le terme récusation, c'est un terme en droit qui fait partie de ce relo, les garanties judiciaires que le monde est capable de gagner. Parce que l'oral tribunal, il y a des juges que doivent se prendre devant eux, mais juste si vous allez dans la fois là, le juge a pas des garanties d'indépendance, d'impartialité, il faut le montrer que l'objectif, le juge a laissé un vrai arbitre que lié. Il faut que l'oral devant le juge là, au sens que la balance de la justice, il y a égalité. Il faut que deux plateaux, il ne pas penché. Mais seconde raison qu'il faut croire que juste depuis avant à faire attendre, il pencher en bas, ou bien tout bon raison capable faire que le pencher en bas, à ce moment, la loi permet que ou récuser, c'est-à-dire ou mander pour que juste ça pas attendre à faire pour le juge lui-même l'attendre à faire. Qui est-ce mandé? Devant qui mon loi le fait action ça? Ça dépend.
Ça dépend de qui matière au courrier. Parce que chaque matière est différente et ça dépend de la nature du tribunal. Là. Okay. Le c'est tribunal de paix, les grandes récusations, c'est le tribunal civil qui va gagner pour décider sur lui. Le son tribunal civil qui fait récusation, c'est un tribunal qui va décider. Mm-hmm. Mais l'autre récusation en matière civile, matière commerciale, juge là, il passe dans une position d'honorabilité. C'est-à-dire que personne n'a pas le droit de mettre en doute honneur, réputation, impartialité au juge. C'est ça qui fait que lorsqu'on demande une récusation, on n'a pas le droit d'adresser au juge directement. Demande là, on fait un greffe tribunal là, et greffier tribunal là, lui-même, il transmet récusation à un doyen, et juge à lui-même, il va le produit défense. Si juge là admet que causio avance et veut récuser le causio juste, juge allait décider de retirer tête. Mais si le juge n'a pas d'accord à cause de récusation, il ça, question là le tribunal, et le tribunal lui-même, il prononce. Si le tribunal admet récusation, il confie le dossier à mon autre juge, mais si le tribunal rejette récusation en tout, le monde qui fait récusation contre le juge, il va le payer une sorte d'indemnité. Non, ça, c'est en matière civile. En matière civile. Et en matière pénale. En matière pénale, il n'y a pas tellement parlé de récusation. Il y a plus parlé de ce rôle, dessaisissement et renvoi devant l'autre juge ou l'autre tribunal. Comprenez bien la terminologie. En matière civile, je parle de récusation, mais en matière pénale, je parle surtout de dessaisissement. Mais les deux, dans l'effet, c'est le même barrage. Donc, en matière pénale, c'est presque toujours les mêmes motifs. Mais en matière pénale, je dis que la récusation est plus possible, ou bien dessaisissement, le plus possible, c'est pour cause de suspicion légitime. Le coup, là, ou pensez que le juge là lui-même, il a intérêt à faire là par rapport à ce qu'il a manifesté, ou bien pour cause de sûreté publique. Sûreté publique, c'est-à-dire que si vous avez un procès qui va le faire là, vous avez affaire qui va l'instruire là, ça va nous faire qu'il y a des désordres, il y a des troubles. Parce qu'on a un procès pénal, toujours chargé en pile émotion, en pile passion. Donc pour éviter ce genre de questions, ça va vous permettre de faire une récusation. Une récusation tout pour cause de sûreté publique. OK. En matière civile, on dit que. Yo pral bon avocat qui estime que juge là li impartial dans dossier an di parti c'est pas OK bon OK parti a estime que juge là on gens et poche en bord li aller li produit dans greffe là greffier en potel by doyen ou dit tout juge là gen doit venir avec des faits pour montrer pour défendre tête li ah oui naturellement et si dans le cas que juge là estime que ça yo montre là c'est vrai et pour raison pour l'autre il dit que dossier ça m'a toujours non, non 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 comprenez. Si le juge là il reconnaît que récusation est fondée, il reconnaît que le motif est fondé, la politique école. Parce que comment il ne faut pas oublier, le juge en général, avant même qu'il fasse une demande de récusation contre lui, des fois le juge là, pour des questions de convenance personnelle, il retire l'école. Même, par exemple, on nous dit que le juge là, tu as un bon ami qui a un dossier. Mais pas oublier que le juge là lui-même, il n'est pas dit qu'il saisit tête lui. C'est le doyen tribunal là qui distribue l'affaire. Bon ami, ça, il a un dossier tribunal. Et dossier bons amis, pour le hasard de la distribution, il tombe dans la main. Et bien, juge, pour des raisons de confiance personnelle, il a absolument déporté. Il n'a pas attendu l'affaire là, on l'a dit, juge va attendre. Mais jour que le doyen décide d'attendre les deux parties, est-ce non, que nous, juge là, il a attendu séparément? Non, ce n'est pas comme ça procédure. Ah. Parce que pas oublier que un juge, il place une position d'honorabilité. Ou on retourne avec moi ça en pile. Il place une position d'honorabilité à aucun moment. Pour que son bonne administration de la justice et confiance justice à le gagner dans la justice là, au partage même supposé mettre en doute impartialité au juge. Okay. Et peut-être raison honorabilité ça qui fait que lorsqu'il demande l'accusation là, on pas adresser la juge directement. Mm. Obligé passer par l'entremise greffe là et le greffe lui-même lui voyer le doyen. Non, mais ça me besoin comprendre ça tout le monde qui regarde nous besoin comprendre joue que dossier attendre affaire l'attendre à deux parties, est-ce que bon, juge l'attendre à pas, l'attendre l'autre partie à pas. Non, voici la chose. Donc, bon, bien. La procédure va être en deux étapes. Là, on a parlé plus de récusation en matière civile, etc. Le monde a fini de déposer une requête dans la greffe. Dans la requête, il y a tout grief, tout motif contre le juge. Quand on a là, le doyen relève le juge. Dans la chambre, le conseil, dans le décanat, il présente le juge à la requête. Et le juge lui-même, il prend connaissance de la requête. Il fait une requête. Et puis lui-même, il produit observation au bas de la requête. C'est-à-dire que si ça a dit. C'est vrai, là pour qu'on ait bien, mais si pas vrai tout, la prochaine. À ce moment, dès lors que qu'on a là, juge à lui-même, il reconnaît que l'accusation, s'il dit que fait au fondé, automatiquement, le juge a dessaisi. Donc, il a dessaisi le dossier, il a distribué le bon lot. Mais si le juge a qu'on a là, il n'a pas admis de faire. Eh bien, il y a ça à ce moment, il y a une instance, et puis question à continuer. Question à continuer. Nous allons proposer, nous allons regarder avec M. Gaston, est-ce que pendant.
partie en produit on demande en récusation contre juge. Est-ce que toute affaire que juge n'a pas instruit dans le cadre dossier a tombé? Réponse à question ça après pause. Travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Là. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, hein, EDH dit pour me dire nous, dans le jour avec moi qui vini là, nous avons besoin de plus de courant. Parce que la fait plus d'efforts pour satisfaire nous-mêmes qui sommes clients, qui ont un compte légal qui installe la caille nous, ou sinon dans le business nous. Deuxième commission, hein, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qui avons plus de courant, faut nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, aussi non dans business ou an, c'est en production liée. Ça veut dire, gè l'argent qui mette dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine yo, ak nan réseau distribution yo. Gè l'argent tout qui mette dehors pour payer employé ak technicien qui fait toute machine ça marcher ya. Petit coulier, courant ou recevoir la caille wa coûter EDH l'argent. Les l'argent ça pas rentré, pas gain gaz, pas gain entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH ka jeune plus moyen pour ba nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous même tout, nous mettre compter sur EDH. Merci pour fidélité et attention nous. Deuxième partie rubrique tendance. Vous faites brancher, invitez-nous, c'est Maître Stanley Gaston. Avec lui, nous avons gardé le thème ça, récusation. Dans la première partie, nous avons gardé sa récusation. C'est une demande que un parti a été portée dans le greffe tribunal pour estimer que le juge a capté le dossier. Nous avons branché en bon. Et nous avons appelé le juge en toute intimité pour faire part de requête là et juge là selon Maître Stanley Gaston au bas de la page a fait observation. Mais on regarde là, un thème assez intéressant. Maître Gaston, si on parti décide récuser un juge, mais avant de ça, est-ce que vous récusez un juge d'instruction? Non, mais ça vous connaît. Le grand principe général, c'est que tout juge est récusable. Même les juges à la Cour de cassation sont récusables. Tout juge en général, depuis que c'est jugeouillé, même les juges à la Cour de cassation, c'est le tribunal suprême, non, il est récusable. OK. Bien. Est-ce que le parti a fait une demande en récusation? Tout à fait cessante, juge-là, obligé de prendre tout dossier, le tape instruit, le mettre de l'autre côté en attendant que, dans les hauts lieux, il y ait tranché sous casa. Bon, pour éviter une confusion, bon, pour ton précision qu'on y a, on fait distinction entre matière civile et matière pénale. OK. En matière civile, un juge qui est récusé, depuis que récusation a instruit, il n'y a pas qu'à poser aucun acte dans le dossier que il a instruit. Par exemple, si son affaire civile ou gagné, il n'y a pas qu'à faire audience sur le dossier. Mais ça qui arrive, il y a un bagage qui pouvait être en urgence dans le cadre du dossier. Et bien, le ça, il y a un autre juge fait. Il y a une opération qui pouvait être en urgence en dans le dossier. Il y a une enquête qui vous mène. Il y a un transport sur les lieux. Je vais vous donner des exemples. Le ça, il y a un autre juge fait parce que ça pas attendre. Mais en matière pénale, dès l'instant que le juge l'a récusé, il est obligé de camper. Il est obligé de tenter que la Cour de cassation prononce avant la République. Parce que comment est-ce qu'on dit fondamental? Parce qu'un juge qui a tenté une affaire, il n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire là. Le juge n'est pas parti, le juge a son arbitre que lui. Et en tant qu'arbitre, il faut que tout le monde vienne devant, il faut que tout le monde ait confiance. Parce que pas oublier que les bons procès, il y a ce qu'on appelle le cartel judiciaire. Et il y a tout courant philosophique sur des questions, en matière pénale, sur des questions de droit de punir. Parce que qui ça fonde légitimité au juge pour la mener enquête sur le monde jusqu'à ce qu'il soit capable
décider de punir les gens. C'est parce que le juge a une certaine légitimité. Eh bien, ça qui fait fondement de légitimité du juge, c'est la confiance que les gens ont dans le juge. Parce que si le tribunal a le contesté, ça veut dire que les gens n'ont pas fait justice ou confiance. Donc, au juge qui est accusé, le juge n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire. Plus il n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire, pour conserver réputation, pour conserver honorabilité, pour conserver confiance que le citoyen doit gagner dans la justice, le juge là, il est campé. Et puis la Cour de cassation a prononcé, si la Cour de cassation dit l'accusation n'est pas fondée, le juge a continué, mais s'il dit le fondé, le juge a obligé de camper. Et pour l'histoire, il faut nous rappeler ça très très bien. L'accusation, c'est ce qui fait tout le temps en Haïti. Parce que l'on regarde, soit prend seulement code jour, l'on regarde le nombre d'arrêts que la Cour de cassation rend en matière de récusation, on va y faire tout le temps. Mais par contre, on se rappelle, après le départ du président Aristide en 2004, il y a une affaire de la Syrie. Il y a Yvon Neptune qui était accusé. Et bien, Yvon Neptune, il défend une récusation contre le tribunal de première instance de Saint-Mois, il défend un dessaisissement. Et bien, le juge a été obligé d'attendre pendant un paquet de temps que la Cour de cassation prononce avant que le tribunal reprenne l'instruction. Comme la Cour de cassation a rejeté l'accusation, il a reprendre. Mais si la Cour de cassation a admis l'accusation, à ce moment, la Cour de cassation a choisi un autre juge. Pas oublier que la récusation, ça fait partie des garanties judiciaires. Un citoyen qui comparaît en justice, il bénéficie d'une sécurité juridique. Et si le citoyen ne s'en pas en sécurité, il est capable de toujours récuser le juge. Bon, pour ça, on est combien de temps espace tant que la Cour de cassation comprend pour produire une demande en récusation. Pour bon, dire si c'est bon ou c'est pas bon. Bon, là, il y a un véritable problème à la Cour de cassation. Parce que la Cour de cassation, depuis quelques années, nous ne sommes pas jamais à jour dans l'arrêt que apprendre. Parce que ça qui vient de poser problème, je ne sais pas si on est toujours sur nos côtés, la Cour de cassation toujours manqué de monde. Quand il y a des années, la Cour n'a pas jamais affiché complet. Des fois, la Cour a 6 juges, il y a 8 juges. Et on est dans des contextes que la composition n'a jamais fonctionné. Je ne veux dire que la Cour de cassation plus ou moins affiché complet, mais la Cour de cassation est accusée en retard dans l'audition dossier. Et si je ne pas abusé, c'est peut-être que la Cour de cassation, peut-être pour l'instant, il y en a année 2013, il y en a recours qui fait dans le début de l'année 2013. Mais comme matière pénale, c'est matière qui est urgente, la Cour de cassation est même obligée d'aller plus vite, mais sa expérience prouve que même pour les affaires pénales, la Cour de cassation compte à peu près entre 8 mois à une année. Avant que vous rendez verdict. Moi, par bon exemple, dernier recours que je défends recours en cassation en 2012, en juillet 2012, je défends recours en cassation dans l'affaire. La Cour de cassation a un arrêt en décembre 2013. Je ne sais pas si. Je ne sais pas si vous avez souhaité. Donc là, moi-même, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on décalage de nom? Non, c'est ça. Je ne sais pas statistique. Bon. Mais naturellement, peut-être l'importance du dossier à tout, je vais demander la Cour de cassation accorder les priorités. Mais en général, soit pour des dossiers qui suivent. Le coût normal, donc il prend à peu près environ un an avant que le cassation prononce. Vous dites que l'accusation fait partie de garantie judiciaire. Hein? Depuis, on juge, bon, ils font un recours en récusation contre obligé de camper, mais est-ce que tout citoyen va là dit, bon, en termes de garantie judiciaire, bon, prends ça, bon, tout fait, moyen ça pour me préparer tête. Moi, juge la guédé, discute, moi, puis me récuser le temps que moi, j'ai la question ça. Non, la chose est que, il y va de la responsabilité de l'État. Pour que l'État fait la justice, rende décision dans l'heure plus grande. Parce que un monde qui fait un recours en récusation contre un juge d'instruction, si la Cour de cassation a fonctionné, il y a tout le moyen qu'il faut, en un mois, il y a des arrêts en arrière. Parce que ça, c'est des matières urgentes, c'est des matières sommaires. Pas rien qui empêche que la Cour de cassation, entre 15 jours à un mois, dès lors qu'elle saisit de demander qu'elle rende décision. Donc on a ces responsabilités de l'État. C'est faute par l'État, si l'État pas mettre les moyens en œuvre pour que le tribunal rende décision dans les délais qu'il faut. Ce n'est pas faute par citoyen. Parce que ou le tribunal, vous n'avez pas en confiance. Vous n'avez pas des raisons évidentes pas en confiance. Et ça, vous ne pouvez pas oublier que les gens ont perdu dans le recours en récusation, ils ont condamné les gens en indemnité. Ah bon? Ah oui. Ah non, comprenez bien. Parce que si vous mettez en doute l'honorabilité d'un juge, et puis vous venez dans le compte côté faire, c'est dans l'optique pour. C'est dans l'optique pour faire passer. Faire transpasser ou bien échapper à la justice. C'est une bonne conséquence. Vous avez un recours, mais le recours doit être utile. On n'est pas capable de voilà, on n'est pas capable de parce que ouvre les soustraits à la justice pour que on va faire tout une série de stratagèmes qui permettent que on aboutisse à fin. Et ça fait que procédure bien organisée, procédure en eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est l'État qu'on y a là qui vous mettez le paquet qu'il faut permettre que l'appareil judiciaire fonctionne bien pour que décision soit dans les délais normaux. Un mot souvent que nous ne pouvons pas parler de l'État déporté.
déporter le dossier, nous parler de récuser. Non, nous sommes déporter. L'on juge déporter le dossier, déport là sur décision volontaire. Okay. Juge, il connaît les grandes causes qui capable permettre qu'on ait des récusations. Mais avant même qu'elle quitte et qu'elle arrive à la récusation, volontairement, il retire de colle dans le dossier. Mm-hmm. Moi, bon exemple tout à l'heure. Ou mon bon ami. Mais est-ce qu'on va demander le tout pour le déporter le dossier? Non, déport là, son décision volontaire, on va demander le juge à ça, on va récuser. Mais déport là, c'est lui qui est capable de décider de déporter le contrat parce que c'est une décision volontaire. Bon, parmi les garanties juridiques qui après l'accusation. Ah non, pas. Non, le déport en soi, c'est pas. Le déport en soi, c'est une mesure qui est là, qui vous destiner, qui vous préserver le juge là dans l'impartialité. Mais là, pour les garanties judiciaires, on paquet, par exemple. Le procès équitable. Au monde qui est tribunal, il faut qu'on soit capable de bénéficier d'un procès équitable. Il faut qu'on soit capable de juger tout dans des délais raisonnables. La présomption d'innocence, c'est garantie judiciaire. Ou pas rien doit faire objet d'arrestation illégale et arbitraire. Ce sont des garanties judiciaires. Sous nos procès, sous parlons en langue étrangère, il faut être capable de bon interprète. Si il y a des témoins, il faut informer à temps de témoins qui sont venus, ou même il faut avoir une chance de faire tant de témoins par où. Si vous avez des dossiers contre vous, il faut communiquer au dossier pour pouvoir produire des défense. Donc, c'est autant, mais vraiment autant de garanties judiciaires. Mais la première garantie judiciaire que tout le monde a, c'est la loi. Okay. Mais est-ce que les garanties judiciaires en Haïti sont souvent respectées? Non, Haïti a un problème. Haïti a un problème. Et là, je suis très catégorique. Et là, je prends un exemple. Cela fait Haïti gagner qui est allé devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est l'affaire Yvon Deptu. La Cour a un arrêt d'à peu près 60 pages. Mais en lisant l'arrêt, vous allez nous compte que. Nous pratiquement violé toutes sortes de garanties judiciaires nettes en Haïti. Nous pratiquement violé presque tous les textes de loi en matière de procès pénal. Surtout question de présomption d'innocence. Depuis arrêter du coup. Non, mais sont constantes en Haïti. En Haïti, sont constantes. C'est en constante que nous remets violer la loi. Et même dans la mentalité des gens, puisque nous héritons d'une tradition autoritaire, une tradition que le monde ne respecte pas la loi, même dans la mentalité des gens, ou est-ce que ce mara qui admet que le monde a accepté. D'abord, réflexion gagnant. Pour la grande majorité des Haïtiens, les bureaux accusés, on monte dans la prison. Comprenez bien, oui. Pas tout Haïtien. Que mon intellectuel, que le pas intellectuel, que mon. Bah, qu'on est. Dans quelque soit catégorie, mon nom. Et on a des fois, même des défenseurs de droits humains, depuis que vous avez des accusés, il faut mon dans la prison. Or, je constate que l'emprisonnement, c'est l'exception. Alors, soit regardé de plus en plus à travers le monde, dans des pays qui ont fait état de droit, dans des pays qui vont vers la démocratie. Donc, là, mon accusé, mon présumé innocent. Donc, ils permettent que l'enquête menée, que les gens aient été en liberté. Mais si la liberté n'a pas représenté une menace pour la justice, n'est pas une menace pour les témoins, n'est pas une menace pour les victimes, n'est pas une menace qui va faire que disparaître preuve, donc ils ont quitté les gens en liberté. Mais en Haïti, c'est un constat qui est différent. Nous-mêmes, depuis que Gombagay font les gens en prison, et je reprends ça encore, moi je constate que la Cour interaméricaine a déjà rendu déjà compte Haïti, côté de nous compte que nous violons systématiquement toute garantie judiciaire. Donc Haïti, si nous faisons une statistique véritablement, je crois que Haïti, c'est un pays qui ne peut pas respecter la garantie judiciaire. Je crois que c'est simple. Nous, Haïti, signons plusieurs conventions en matière de protection, en matière de droits humains, protection, liberté, etc. Mais jusqu'à présent, lorsque des conventions au tribunal, je pense que Rio. Ah bon? Oui, c'est une culture que nous gagnons. Nous avons une culture d'autoritarisme. Et ça, il faut regarder en Haïti, nous ne pouvons pas croire dans le droit tout. Nous ne pouvons pas avoir un réflexe de droit en Haïti. Là, on a un problème. Le premier réflexe, maintenant, c'est pas le tribunal. Et ça, le tribunal, là, doit fonctionner dans des conditions qui ne sont pas toujours agréables. Mm-hmm. Parce que les dossiers en justice, les dossiers ne sont pas toujours dans le délai plus grand. Et le plus souvent, ce n'est pas le droit qui est appliqué. Donc, tout ça fait que, au venant de nous, on sort de servicieux, on sort de système de perversion, on n'a pas quoi dans le droit, on n'a pas quoi dans la justice, et puis on continue à gagner même ensemble de pratiques, ensemble de dérives totalitaires. Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes capables de la politique saisie par le droit qui fait ça? Et, bon, l'on prend le droit et la politique, dans une certaine mesure, c'est deux versions d'une même mélodie. Mm-hmm. Parce que tous les deux, ils ont la même finalité sur le bonheur de l'homme en société, mais ils n'ont pas gagné le même moyen d'action. Moi, je crois que constat beaucoup plus profond que ça. Et ça permet moi plus parler de questions mentalité autoritaire que nous gagnons. Et puis, quand on parle foncièrement chez l'Haïtien, l'Haïtien n'aime pas la justice, l'Haïtien aime avoir raison. Parce que moi, je suis un avocat, je suis capable de ça. Très souvent, quand les clients viennent voir, le plus souvent, les clients ne viennent pas voir pour que le mot du droit prononcer. Ils viennent voir pour que pour tous les moyens, on fait le gain. Même si l'entend. Vous comprenez bien, oui? Donc, ça a tout son mentalité que nous gagnons à Kaino. C'est une question systémique. Ça relève de système qui n'est pas adéquat, mais il relève tout de mentalité. L'Haïtien n'aime pas la raison. L'Haïtien n'aime pas la justice. L'Haïtien aime avoir raison. Bon, d'où la nécessité pour nous parler droit en pile, pour nous permettre de comprendre que le débat, c'est
droit pour régler c'est dans le tribunal pour passer. Oui, c'est-à-dire que faut travailler à faire à deux niveaux. Mm-hmm. Faut qu'on niveau qui agit sur le système non, faut une véritable révolution au niveau du système judiciaire là. Mais deuxième tour, faut qu'on commence à agir sur mentalité yo, mm-hmm. à travers sensibilisation, à travers les écoles, à travers les mass médias, toute une série de bagages que vous faites. Mais nous même tout l'état en lui-même tout, faut l'état mettre les citoyens en confiance. Il y a une bagarre qui va prendre en matière pénale, on va pas venir témoin. Mais faut qu'on connaisse que là, je fais témoin dans l'affaire. Faut qu'on connaisse que après, il ne va pas le menacer. Faut qu'on connaisse que leur condamné, on ne va pas quitter prisonnier votre île levée. Il ne va pas venir menacer lui. Donc c'est un travail qui est compliqué. On agit et sur les mentalités et sur le système. Merci un peu, M. Gaston, parce que tu réponds à l'invitation tendance. Bon travail, n'espérez pas l'autre. Tamara Ouyon, moi je remercie un peu. Et on connaît que c'est toujours un agréable plaisir pour que moi informe. Téléspectateurs, téléspectatrices, donc question qui relève de compétences moins. Et je pense que c'est important parce que ça va permettre que Mounio va faire la part des choses dans le genre de débat public. Ça. Tout à fait. Merci un pile. Voilà, invité nous aujourd'hui, c'est Demet Stanley Gaston, avocat, également secrétaire au barreau de Port-au-Prince. Avec lui, nous avons gardé un thème assez intéressant, récusation, qui c'est une action que une partie capable de faire contre un juge s'il estime que le juge qui a instruit à faire l'un. Pencher un côté. Mais depuis, il fait une demande en récusation contre le juge. Selon M. Stanley Gaston, le juge là doit tout à fait se sentir campé dans l'instruction dossier ça. Merci un peu pour fidélité et attention nous. Rendez-vous demain soir avec même plaisir. Bye bye.